bonjour à tous, ici Cosmorev et on se retrouve pour la suite de Sonic Colors. Dans l'épisode précédent, nous avions fait Starlight Carnival. Aujourd'hui, nous allons faire la planète Whips. Donc, on en est vraiment bien loin, donc on a bien avancé quand même. Sincèrement, on avance très très bien dans ce jeu. C'est un jeu très rapide, hein. Malheureusement, les jeux Sonic sont assez rapides. Mais bon, voilà quoi. Donc, c'est parti pour la planète Whips. Donc, on y va donc pour l'acte 1. C'est parti! Ce monde est juste génial. Hein. En plus, il est très très beau. Ah, moi j'adore. Ce jeu, il est vraiment génial. Ah là. Ah, la vitesse commence! Hop là! Allez! On switch. Voilà, c'est bien. Ça, j'appelle ça de la vitesse. Pour de la vitesse, c'est vraiment super. Alors, on continue à switcher. Oh, normalement, je me prends les monstres là. La musique elle est vraiment très belle. Ok. Ah merde, je me prends toujours au dernier moment. Ok. Ce niveau on le retrouve aussi dans Sonic Generation qui est sorti plus tard. Et qui est aussi un très bon jeu. Allez. On passe en 2D. Oh, un nouveau monstre. Enfin, un nouveau Whips. Ce Whips-là est très puissant aussi. Parce qu'avec celui-là, on fait le tour et on écrase tout. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Vous voyez à quel point on est super fort. Allez, c'est bon, tu peux redevenir normal. Parce que là, si j'utilise ce monstre, si j'utilise ce Whips-là... Allez, on y va. Allez, encore un saut. Allez, c'est bon. On continue. On va par là. Allez, on monte. On continue toujours tout droit. Allez, allez, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Tac. Ok. On continue à avancer. C'est bien. On gagne de la vitesse. On va peut-être attendre un peu. Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi. Voilà. Ok. On peut continuer. On va repasser à 3D bientôt, je pense. Et on repasse à 3D. C'est parti. Moi, j'adore les jeux de Sonic où tu passes vite à la 3D, à la 2D. Aïe. J'aime pas ça, moi. Ah! Saleté de monstre! Non! Ouf! Oh, j'ai chaud. Ah, j'ai très très chaud. Ah, ça fait plaisir. Ok, on peut continuer à avancer. Allez, on avance super bien. Ok. Aïe. Ouais, là, j'ai fait une très très mauvaise manip. Allez, c'est pas grave. Allez, on va essayer de se reprendre en main. Tac. Allez. En plus, on s'approche de la fin. J'entends déjà le bruit du cristal. C'est ça, elle est là. Allez, vas-y, monte, monte, monte. Ok. Et voilà que nous en avons fini avec le premier niveau. C'est bien. Bravo, Sonic. Ok. Ok, nous avons libéré les Whips violets. C'est très très bien. Nous avons fini le premier niveau, donc ça c'est cool. On va pouvoir passer au level 2. Donc, le level 2, c'est parti. La planète Whisp. La musique qui continue à être entraînante. Donc là, bien sûr, le coup qui passe.
Allez, vas-y, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez. Ah, tiens. Ça. Ah bah non. Ah bah là, je peux pas l'atteindre. Ah, peut-être que si je fais. Aïe. Bon. Je peux pas le récupérer. Ça tombe pas, c'est nul. Moi, je veux, moi. Ah. Bon. Ok. Ça sert à quoi le bouton? Ok. On monte et on esquive donc tous les monstres. On continue à monter. On continue. Ah oh. Oh lolololo. Ah c'est dangereux ça. Ok. Bien. Toi tu crèves. Ok, donc là on est vraiment dans un domaine assez chaud quoi. Par contre là je peux pas aller plus loin. Ah si, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu le coup venir là. Ah, j'ai appuyé sur un bouton, ouais. Tiens, crève. Ça prendra à faire chier. Attention, on évite le monstre. Hop. Non. Voilà. Allez, maintenant on monte. On prend le whisk. Allez, voilà, toi tu crèves. On appuie sur le bouton. Ensuite, ça forme un escalier. Et là, on défonce tout. Ok. Ah, dommage. À chaque fois, je le fais au mauvais moment. Ah, glisse. Allez, c'est bon. On prend la roulotte. Et on a terminé. Encore un niveau. C'est toujours assez simple de terminer un niveau quand même. Mais bon, ça y est. Encore un niveau de récit, donc ça fait plaisir. Ah, bon, je suis mort une... Ah, super. Ok. Encore un niveau de récit. L'acte 3, Planète Whips. Wisp. Ouais, bon. Allez Sonic, cours! On repasse en phase 3D. Encore? Oh! Allez, crevez! Allez! Ça va, j'ai réussi à vous esquiver. Fallait pas me faire chier! Allez, voilà! Mais tu croyais quoi? Allez! Oh non, pas encore ça! Oh! T'es content? Voilà! Oh, hé! Hey. Hein? Tiens! Bim! Non! Rêve! Attention, Bic! Voilà, c'est dangereux. Là, je suis en train de faire un... Attention. Tiens, j'entends le bruit. Par contre, comment je vais atteindre la suite? Ah, par là. Allez. Hop. Allez, vas-y, le coup du diable. Et... Hop. Allez, encore. Ah, dommage. Ok, donc on va recommencer. Par contre, il va falloir faire très attention à ne pas tomber. Ok. Il va falloir faire ultra attention. Ok. Ok. Et voilà, encore un niveau de terminé. Bravo Sonic. Tu restes toujours le BG des BG. Tu es toujours le mécène de l'espoir. Le mécène de la puissance, de la force, de la vitesse à l'état pur. Et du pas de vie aujourd'hui. Bon, allez. Pas grave.
Et encore un niveau de terminé. Ouh. Un nouvel endroit. Pourquoi pas. L'acte 4. Planète Wisp, toujours. Et je sais même pas pourquoi je continue à dire Planète Wisp, y a pas besoin. J'ai juste à dire niveau 4. Bon, nous sommes dans un nouvel endroit. Enfin, on était. Oh, attention. Oh là, j'ai failli tomber, là. Attention. J'allais crever. Ah non, peut-être qu'on peut pas tomber. Ça serait vraiment con. Ouh. Oh. Oh, regardez ça. Regardez cette tour. Elle donne pas envie de la monter. Ah, quand je vois ça, j'ai envie de la monter. Direct. Ne vous inquiétez pas, on va la monter à la vitesse supersonique. Crève, crève, crève. Toi aussi. On va la monter. On va la monter, t'inquiète. Ah, dommage. Ah. Hop. Ok. Voilà, ici on est protégé. Ah, il y avait une pièce rouge, bon c'est pas grave. Ah, il y avait aussi une vie, bon c'est pas grave aussi. Ouais. Ah. Et c'est ainsi que Cosmo perda. Perda tout espoir. Voilà. Ici on doit être bien placé. On est bien placé. Et voilà, regarde ça. Si c'est pas beau ça. Si c'est pas de la puissance. Ah moi je retire ma veste hein. Je suis trop fort. Alors. Ah. Ok. C'est bon, je suis protégé. On va pouvoir continuer à monter cette tour. Oh là là, oh j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Et je suis mort. J'adore ça. C'est ce qu'on appelle de la puissance. La puissance de mourir. On n'a pas peur de la mort, nous on est comme ça, nous. Hop, regarde ça. Et tu sais quoi, on va même récupérer la vie. Regarde, on saute. On fait des petits sauts comme ça. Tac, on récupère la vie. Voilà, que du bonheur. Ah mais je vous dis, là on est trop infini là. Là c'est génial. De pouvoir jouer à des jeux de Wii, de console, de jeux de salon, ça fait tellement plaisir. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Ah, je suis tellement content de vous proposer plus de contenu que de la 3DS ou de la DS habituelle, quoi. On élargit nos horizons, quoi. C'est vraiment génial. Ah, Sonic Colors, quoi. J'adore ce jeu. Hop, les petits sauts. Non. J'ai raté mon saut. Dommage. Je me suis mal mis, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est une erreur de ma part. C'est pas très grave non plus. On va essayer de bien se remettre. Voilà. Prêt. On est prêt à sauter. Elle va redescendre. Ok, c'est bon. Allez, on est dessus. Allez, vas-y, remonte. Voilà. On continue. Donc, on monte. Allez, cette fois, on ne tombe pas. Voilà. Bien. Ah, je vois qu'on a besoin d'un Rips. Oh. Oh. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ouh, on Rabs. Regarde, regarde, on est presque en haut de la tour. Tiens, regarde. Voilà. Oh, bah tranquille. J'avais un peu peur, mais là, non, on est bien. Hop, regarde ça. On est bien placé, on monte l'ascenseur. Voilà, infini. Et voilà. On est monté tout en haut de l'ascenseur. Si c'est pas beau, ça. On n'est pas monté de temps, mais en tout cas, on est monté très très haut. Ça fait plaisir, quoi. Ah là, sincèrement, je suis content. Je suis très content. Ah. Bien. You know, as alien as this place is, there's something very Eggman-ish about it. I think he's transforming it somehow, making it part of his theme park. Attention guests, if you can hear this message, you are trespassing in an area still under renovation. If you are not a robot, please return to the main park areas and ignore anything evil you might have
scene here. Thank you. It looks like the theme of his park is universal domination and the conquest of alien races. It's more than a theme, it's a reality. He's using them like some kind of living intergalactic gasoline. That's pretty low, even for a sleazeball like Eggman. Some displacement of indigenous aliens and destruction of natural resources may occur. Eggman Enterprise is not responsible. You getting any of that? Yeah, they're totally freaked out. It sounds like they're in shock because of public transportation and a loony nurse. Oh, no, wait, scratch that. They're in shock because of their planet's strange transformation and having been dragged across the universe. Well, I still can't believe he kidnapped a whole planet. How did somebody do that? They're saying it was either ice cream or a tractor beam. Yeah, well, I'm going to guess it wasn't ice cream shooting out of those generators. If it was, I would get one for back home. Dude, I'd get two. Now, if everyone will excuse me, I'm going to put a stop to these renovations. Ok, nous allons donc passer au niveau supérieur, à la suite, avec l'acte 5. Qu'est-ce qui nous y attend? En tout cas, on avance très très vite. Ça fait vraiment plaisir. Alors, oh là, va falloir faire attention. Ah, faut en profiter. Parfait. Allez, on continue à foncer. Ok, on avance. Oh. Hop. On récupère le précieux anneau. Ok. Ah. Bon, en même temps, on pouvait pas. Perso, un double saut, ça servait à rien. Hein. En plus, on va devoir récupérer. Hop. Vas-y, c'est pas grave, on va recommencer et puis. Ok. On récupère l'anneau rouge. On se remet bien en position. Ah mais ah j'aurais pu aller sur le côté peut-être. J'avais peut-être un moyen d'en fait de me remettre bien en fait. Bon c'est pas grave. Vas-y. La troisième fois c'est toujours la bonne donc on va essayer de faire attention. C'est tout. Toi tu crèves. Hop. Vas-y tire. Toi aussi tu meurs. Bien. Ok, toi tu meurs aussi. Vous, vous mourrez. Oh. On rentre dans la grotte. Allez, on passe par là. Ah. On va les tuer. Toi aussi. Allez, montons. Montons. Ok. On l'a buté. On peut continuer. On retourne dans la... Dans le magnifique gazon, et ben on a terminé. Cool. C'est génial. Il était rapide ce niveau, hein. Perso, j'ai trouvé très rapide. Ça fait plaisir. Non, c'est génial. Moi, perso, je trouve ça génial. Ok. Voilà. Et voilà. Bien. On peut donc continuer par là. L'acte 6. Ok. Donc là, nous arrivons où? Waouh. On voit encore que c'est bien en construction. Hein. C'est magnifique. Par contre, j'aurais dû sauter. C'est pas grave. En tout cas, nous arrivons dans une bâtisse dans le ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Je me demande personnellement ce qui aurait arrivé si Eggman avait construit quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il aurait construit comme bâtisse? Quel parc à thème aurait été? Est-ce que... Enfin, quel parc à thème ça aurait été? À quoi ça ressemblerait, quoi? Oh, regardez ça. On rentre dans les câblages. C'est vraiment magnifique. Ça me donne envie de savoir, en fait. J'ai bien envie. Là, on entre. On continue à glisser, on adore le ride, hein. Nous perso le ride c'est infini quoi. Allez, voilà, c'est bien. On
va continuer à monter. Il m'a fait mal là. Il m'a fait mal là le robot gay là. Hein? Ah oh. Tout le monde sait qu'un robot qui tend une perche comme ça, c'est un gay. Hein? Robot travailleur gay. Allez! Tiens, regarde. Parfait. Ah non, pas encore. On va passer par en dessous. Nous on est des salauds, nous on passe par en dessous, on aura rien à foutre. Hop, on va prendre la pièce rouge, allez. Voilà la pièce rouge pour nous. Ça c'est bon pour moi. Ah par contre faut faire attention parce que le monstre il arrive, il va me buter hein. Il va plus me revoir. J'aurais pu passer par le dessus, mais bon. Moi qui suis un. Qui aime la facilité, bah voilà. Je préfère être bien servi quoi. Allez vas-y. Ah il peut pas aller plus vite cette machine là. Oh plus vite. Feignasse. Ah. Oh. Oh là. Il est près de moi lui. Casse-toi. Casse-toi. Voilà c'est bon merci. On continue. Bah, attends je suis déjà allé là. Ah sauf que le niveau a changé. Ok. Ouh. On continue à monter. Oh là là, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Waouh, 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 ouh. Ah. On dirait qu'on va devoir monter une tour. Pourquoi pas. Il est temps de la monter. Allez, il faut la monter. Vas-y. Allez. Allez, plus haut. Ok. Bien. Ensuite, on va passer par là. Alors, par contre, c'est assez chaud parce qu'il faut quand même savoir monter bien la tour. On la monte doucement, mais bon, sûrement. Bien. Tac. Tac. Et toi aussi. Toi aussi. On monte toujours plus haut. Oh. Où suis-je? Comment je vais pour aller là-bas, moi? Malade. Hop. Hop. Crève. Heureusement tu peux pas mourir. Là où on en est, on peut pas crever. Ah plus vite. Allez feignasse. Voilà. Bien. Toujours plus haut. Voilà. Va falloir faire attention hein. Moi j'ai un petit peu peur quand même de ces moments là. Voilà. Tac. Yes. Toi tu crèves. Vas-y descends à la plateforme. Hop. Voilà. Ah on entend le bruit de la réussite. Et voilà. Et encore un niveau de fait. On est monté jusqu'au sommet de la tour. Donc de la tour où se trouve justement le prochain boss. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Ah, une vie. Je l'ai eu. Ok. On va pouvoir passer au boss. Je vous laisse écouter la cinématique. And there's the generator. It seems like these guys are getting harder and harder to find. I know for a fact these guys are getting harder and harder to beat. Please remember, all planets in Eggman's incredible interstellar amusement park are, as far as you know, wholly owned properties of Eggman Enterprises and its subsidiaries. All unauthorized photography, video reproduction, or shutting down of generators is strictly prohibited. Thank you. Eggman, I am going to save this planet, and I am going to free these aliens. No copyright law in the universe is going to stop me! We can save a lot of time and broken robots if you just quit now! You try to be reasonable... Ok. Par contre, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on recombat les mêmes boss, donc c'est un peu normal. C'est un peu dommage, quoi. Son point faible est toujours... Voilà, donc c'est toujours
Hop. Donc là, il utilise de nouvelles attaques, hein. Par contre, c'est les boss, c'est pas la même puissance. Ah. Ouais, essayez de rebondir. Parfait. Ok. La tourniquette à l'envers. Alors, ah dommage. La tourniquette. Attention. La tourniquette. De là. Bon les gars. On l'a battu. On l'a gagné. On l'a gagné. On l'a défoncé sa tronche. Ouais, plein de bijoux, plein de partout. De l'or. De l'or. Voilà. Il était simple. Ah bah là ça mérite le rang là, hein. Ah bah tiens le rang S. Moi qui me disais si ça existait dans le jeu. Cool. Regarde ça. Ah mais là c'est génial. Là on se refait les bifetons là. Écoutez la cinématique. Wow. Sometimes I even impress myself. For a second there I wasn't sure I was going to pull it off. Oh, who am I kidding? We both knew how this would end. Are you talking to the broken robot who can't hear you? Maybe. That's between me and the robot. See, the important thing here is the alien planet is free. Absolutely. So, we can just forget about the whole talking to dead robots thing, right? Nope. I knew you'd say that. Well, come on. I've seen you save the day a lot of times, but I've never seen you talk to a pile of metal. Ok. Et ça fait encore un monde de terminé. La planète Whip c'est terminé. Donc on en a fait quand même pas mal de mondes, hein. Ça fait déjà 4 mondes, encore 3 mondes. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc salut tout le monde.